Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette seconde édition du Wikimook. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette aventure inédite. Je suis Valentin, un contributeur bénévole de Wikipédia. Avec deux autres contributeurs, Natacha et Habib, nous serons vos guides dans la découverte de ce MOOC et de l'univers de Wikipédia. Mais nous ne sommes que la partie visible de l'iceberg. Ce MOOC a été conçu et préparé par une équipe d'une quinzaine de contributrices et contributeurs bénévoles de Wikipédia. Nous avons également obtenu le soutien financier, humain et logistique de l'association Wikimedia France, qui vise à promouvoir la diffusion de la connaissance libre, en particulier Wikipédia, et à soutenir les contributeurs bénévoles comme nous. Notez bien que Wikimedia France n'édite pas et n'héberge pas les contenus de Wikipédia. Si vous êtes ici, vous savez probablement déjà ce qu'est un MOOC. Dans ce cas, vous ne serez pas surpris par l'organisation du cours. Si ce n'est pas le cas, pas de panique, nous avons fait en sorte que tout soit le plus clair possible. Notre premier objectif avec ce Wikimook, c'est de vous faire découvrir les coulisses de Wikipédia. Elles sont largement méconnues, alors que vous allez sans doute contribuer sur l'un des sites web les plus consultés au monde. Quelles sont les règles éditoriales de Wikipédia? Comment le site fonctionne-t-il? Quelle est la fiabilité des informations présentes sur les articles? Vous saurez tout cela à la fin de ce MOOC. Le second objectif de ce cours est de vous donner toutes les clés pour que vous sachiez vous-même contribuer. Être autonome pour modifier des articles, en créer même, mais aussi interagir avec la communauté de Wikipédia. Le Wikimook ne peut pas être exhaustif, tellement le sujet est vaste, mais nous espérons que cela vous donnera envie de poursuivre par vous-même votre découverte de l'univers de Wikipédia. Pour réaliser ces deux objectifs, nous vous avons préparé un cours de 6 semaines comprenant 12 modules. Chaque lundi, nous publierons 2 nouveaux modules sur FUN. Un module est constitué de plusieurs vidéos d'activités pratiques qui prendront la forme de tutoriels interactifs à réaliser directement sur Wikipédia et enfin de quiz d'évaluation. Pour ceux qui préfèrent le texte à la vidéo, sachez que tous les cours sont aussi disponibles en format texte. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Prévoyez au moins 3h30 de travail par semaine pour suivre le MOOC dans de bonnes conditions. Mais attention, contribuer à Wikipédia peut rapidement devenir une activité addictive. Voilà prévenu. Pour tous ceux qui suivront le cours jusqu'au bout, nous vous proposerons de recevoir un certificat de réussite. Gratuit, bien entendu. Il est facultatif et permet simplement d'attester de votre complétion du MOOC. Par exemple, si vous souhaitez le valoriser sur votre CV, auprès de votre entourage ou de votre hiérarchie. Comment faire pour l'obtenir? C'est très simple. À la fin de la plupart des modules, il y aura un petit quiz constitué de plusieurs questions qui seront corrigées automatiquement. Ces quiz comptent pour 50% du certificat. Les 50% restants de l'évaluation porteront sur l'écriture d'un nouvel article sur Wikipédia. Votre tout premier article. Vous aurez pour cela 2 semaines, les semaines 4 et 5. Cela vous permettra ainsi d'appliquer tout ce que vous avez appris auparavant. Pour obtenir ce certificat, il vous faudra obtenir une moyenne de 60% de réussite à l'évaluation, les quiz plus la rédaction de l'article. Même si vous ne souhaitez pas obtenir le certificat, nous vous conseillons quand même de faire les quiz. C'est un excellent moyen de vérifier que vous avez bien compris les cours. Pour connaître votre avancement, vous pouvez à tout moment consulter l'onglet « Progression » dans le menu horizontal du cours. Mais un MOOC, ce n'est pas uniquement des cours et des exercices. Vous allez être amené à échanger, discuter et interagir entre vous, participants du Wikimook, avec nous, concepteurs et animateurs du Wikimook, mais également avec l'ensemble de la communauté wikipédienne. Durant les 2 premières semaines du Wikimook, vous pourrez poser toutes vos questions sur les forums de FUN, accessibles depuis l'onglet « Discussion ». Il vous suffit d'ouvrir un nouveau sujet dans la section du forum adéquate. D'autres internautes qui suivent ce MOOC pourront vous répondre, ainsi que l'équipe pédagogique du Wikimook. N'hésitez pas sur le forum à répondre aux questions des autres apprentis contributeurs. On est souvent plus intelligent à plusieurs, c'est la philosophie fondamentale de Wikipédia. À partir de la 3e semaine de cours, vous pourrez continuer à échanger sur le forum de FUN,
mais nous vous inviterons à poser toutes vos questions à propos de Wikipédia directement sur Wikipédia, dans un forum qui vous sera dédié. Cela vous permettra de vous familiariser avec le système de discussion de Wikipédia. Nous vous donnerons tous les détails en temps utile. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réussir ce MOOC. Encore merci à vous d'être ici et on se retrouve pour le premier module.